Donc là, c'est le bac pour les endormir. C'est le bac anesthésion, là, avec l'anesthésion. Et faut les laisser combien de temps? Dans 2-3 minutes, là, il y en a déjà qui dorment. Hein. Ça va être rapide. Hein. Faut pas qu'elles y restent trop longtemps, parce qu'après, elles se réveilleraient plus. Hein. C'est bon. Donc là, en fait, ce sont les œufs qui sortent. Voilà, c'est tout simplement. Donc, quelle quantité pour une truite? Celle-là, là, elle va faire à peu près entre... elle va pondre 200 grammes. Là. Donc 200 grammes, elle va faire à peu près 1000 à 1500 œufs. Là. Et si on ne l'endort pas, on ne peut pas faire cette opération? Elle va remuer dans tous les sens. Hein. Oui, ça risque de la faire tomber. Voilà, et... tu vois, rien que déjà là, elle a remis déjà à moitié. Hein. Puis tu vois, après, comme elle est toute plate, ah, oui. Ça fait comme une femme enceinte, pareil, à la fin, elle tient à pouf, elle est toute... Il y a la différence entre celle qui a pondu et celle qui n'a pas pondu. Effectivement, c'est flagrant. Là, on voit la femme comme enceinte, puis après, elle a pondu, toc. Ok. Et puis après, tu la remets dans le bassin, elle va se réveiller tranquillement. Et puis, les muscles vont se remettre en place. Et puis, dans 15 ou 3 semaines, tu vois même plus qu'elle a pondu. Elle se refait après. Normalement lui ça va faire un liquide blanc. Tiens. Voilà, donc là c'est la laitance que tu mets sur les œufs. Voilà, c'est ça. Et les mains, je mélange tout ça, gros grossièrement. La laitance avec les œufs, comme ça, tu mélanges. Toc, 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 toc. Toc. Ce qu'on croirait pas, mais bon, c'est quand même somme toute assez costaud. Hein. Et là les œufs ils sont comme mous. Là ils sont tout mous. Et une fois qu'on va mettre l'eau. Donc ils vont s'ouvrir, le sperme va bouger, là, ils vont se féconder et dans 20 minutes ils sont durs comme une perle. C'est-à-dire limite tu le fais tomber par terre, ils rebondissent. C'est le signe qu'ils sont fécondés? Ah oui, bah oui. Après, après c'est dur comme une... C'est bon? Et ben voilà, tiens, pouf, on met ça comme ça, ça mousse. Et puis voilà, et ben, maintenant ça reste comme ça pendant 20 minutes. Puis dans 20 minutes on ira mettre ça dans les seaux là-bas. Quoi. Dans l'espace incubation. Voilà, c'est ça, au laboratoire d'incubation. Voilà, tout à fait.